Salut tout le monde, c'est Raylus, c'est aujourd'hui Nord 3 pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur Golden Sun 2. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous en avons pris un petit peu plus sur ce qui s'était passé pour le groupe de Pavel lorsque Vlad et son équipe combattaient contre Salamandar et Phoenixia, qu'ils devaient se retrouver sur un endroit, mais à cause de l'activation du phare, l'endroit a été détaché du continent et ils ont dérivé vers un nouveau continent que voici. Alors je ne sais plus si c'est Wiyard ou Gondowan, je ne sais plus. Et aujourd'hui déjà on va récupérer ce jean. Mais aussi nous allons récupérer notre première psy-énergie du jeu. Et pour ceux qui ont oublié comment utiliser un jean, voici un autre tutoriel numéro 2, comment utiliser un jean. Voilà, la prochaine fois dans le tutoriel, nous apprendrons à manger une baguette avec une grue. Voilà, alors je ne sais plus où mène ce chemin. Déjà, je crois qu'il mène vers... vers le mausolée. Et le mausolée, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit... Voilà. Un endroit... étrange, avec un trigger... Voilà. Et c'est à cet endroit que nous aurons besoin de la psy-énergie. Alors peut-être qu'en fin de vidéo, j'irai vite fait pour vous montrer. Vite fait, continuer. Donc là, oui, c'est une plage. Donc ça permettra de revenir dès que j'aurai débloqué le bateau. Parce que oui, il y a un bateau dans le jeu. Tu peux débloquer le bateau. Le motherfucking bateau. Il y a aussi un phare, alors j'y suis jamais allé personnellement, je sais pas du tout ce qu'il y a. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Donc là, chemin de gauche, alors je sais pas si vous l'avez vu furtivement, un temple jaune. Oui, c'est jaune les temples, ne me demandez pas pourquoi. Regarde, avec L, je vous dézoome. Voilà, le temple jaune qui se trouve juste en bas, c'est là où je dois aller. Et avec R, voici un aperçu de la carte du monde. Voilà, donc elle fait tout ça. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. Alors vite fait, je vous dis 1, 2, 3, 4 déserts à traverser. Pas que les déserts, c'est ce que j'apprécie le plus. Mais bon.
J'ai aussi essayé d'avoir tous les jeans. Savoir que c'est quand même ultra chaud dans ce jeu parce qu'il y a trop de jeans. Il y a des forêts. Regardez ça, une immense forêt. Je me balade. Tranquille. Hop. Activer. Une invocation. Qui fait assez mal quand même. Et en même temps, je pexe. Je vais quand même fuir un petit peu parce que j'aimerais au moins faire un vrai, on va pas dire donjon, mais un vrai défi, voilà. Voilà, nous voici au temple de Kandor. Un temple étrange. L'enseignement du maître Poix. J'avais oublié que les noms étaient stupides. Oui, s'il te plaît. De quoi? Et vous en avez plus. Mais va te faire profondément. Bon, il y en a qui méditent, ce que je vois. Ils méditent profondément. Et là, tiens ça alors. Ce mur est suspect. Parce qu'il faut utiliser une psy-énergie. Celle de Cilia, que je vais de suite assigner. Voilà. Tourbillon. Le bruit du tourbillon est horrible par contre. Le seul petit défaut que je mettrai à ça. Et nous voici dans les sous-sols. Et je remonte. Tranquillou. Je l'ai laissé méditer quand même. J'ouvre la porte pour le fun. Non. D'accord, bon. Méditer, je vous laisse tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? D'accord, moi aussi je veux y aller. Ah, oh. Ah oui, j'avais oublié que c'était un vrai défi. C'est pas un défi pour les tapettes ça. Déjà, premier coffre mimique. C'est génial. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu es condamné à mourir. Au moins ça rapporte un max d'XP, j'espère. Ah ouais,
quand même rapporte un max de points d'XP. Bon, allez, je vais continuer. Ouais, fallait que je prenne la droite, en bas c'était bloqué. Ah, j'aime pas les énigmes comme ça, je les déteste. Vérangle. Un ennemi à battre impérativement. Voilà, tranquillement. Voyons, je sais que c'est déjà c'était pas le bon chemin. Voilà, et il y a un jean à récupérer. Ça, c'est classe. Bon. Si je passe par là... Non, c'est pas par là qu'il faut passer. Je teste des chemins au pif. Tiens. Tu as failli à ta mission. Ah, voilà. Ouais. Mais ça va servir à quoi d'aller là, en fait? Est-ce pour aller sur les poteaux? Je pense que c'est pour ça. Et ouais, il y a une phase avec des poteaux. J'ai réussi, t'as vu. Là par contre ça va être dur. Ouais, il faut remonter la quête, il faut tout remonter. Ah, level up, ça c'est bien. Donc là il faudrait que je remonte. Donc là il faudrait... Ah bah je peux pas remonter la cascade, d'accord. Bah va te faire foutre le jeu. Ah voilà. D'accord, c'est les zones claires, je peux les passer, mais pas les zones sombres. Je retiens. Pas le bon chemin déjà. Voilà, ça c'était compliqué. Alors ça je sais plus à quoi ça sert. Ah si, on se souvient. Il faut en bloquer un pour mettre plus de poussée sur l'autre. Voilà. Ensuite se mettre sur un pilier et attendre. Exactement ce que je pensais, un coffre. Une carte mystère. Équipé pour changer de classe. Ouais. Je voulais garder cette, non jamais.
Voilà, maintenant j'ai enlevé le pilier et changé l'endroit. Et tout cela semble très bien se dégoupiller. C'est tant mieux. Alors là, ce petit effet de tremblement, c'est génial. J'adore ça. Voir un petit peu le tour, c'est bon, jamais je peux tomber sur des trucs bien. Aïe. Ouais, c'est lui qui a soin, c'est bien ce que je pensais. Et level up. Bon, bah, tout le monde au niveau 6, c'est parfait. Ça servait que j'aille ici. Ah non, c'est quand je tombe, d'accord. Oui, qui a déplacé? C'est lui. Voilà. Je le referai parce que je crois que j'ai oublié une ou deux salles. Il me semble que je n'ai oublié une. Ouais. Ah d'accord. Là c'est par derrière. Ah bah non, en fait j'avais pas zappé, c'était cette partie là de la salle que je croyais avoir loupé. Mais en fait non. Ok, donc le jean, il faut, vous voyez, la psy énergie. Je vous la donne, je vous laisse deviner pendant que je suis en train de faire cette épreuve, on va dire. Normalement, je devrais bientôt être arrivé. Ouais, c'est là. C'est ça. Ouais, donc en clair, tu touches ça, tu te prends le dégât. Et si tu es Pavel... Ah ok, mes touches L et R ont été interverties, ça c'est pas cool. Il va falloir que je règle ça plus tard. Je peux faire ça aussi. Et là, ça va être un combat de boss. Non, juste avant. Utiliser les herbes que je drop. Hop. Sur Ina et sur Cilia. Voilà, le jean, je vais pas l'équiper maintenant. La sauvegarde. Et... on est parti pour affronter non pas un mais trois boss.
vu que j'ai une nouvelle technique, autant claquer toutes les psy-énergies. Donc ils ne craignent pas les psy-énergies de l'air, mais ils craignent le feu. Ça c'est bon à savoir. Pour ce qui est de la terre, ce basique. Faut quand même continuer ce schéma d'attaque. Il attaque avec des sorts de zone. Alors, c'est pas les boss les plus durs du monde, c'est les premiers. Et là, je l'ai fini. Tranquillement. C'est pas les boss les plus durs. On va dire que c'est des boss d'entraînement. Voilà, la psy-énergie reliée. Voilà, ça sert à ça. Bon, moi j'y vais, sauf que moi... Ah non, je croyais que je pouvais y aller à pied. Alors serait-ce ça ? Ça ressemble à une couronne ou une encre. Un piquet, ouais. Bien, bien, bien. Donc, maintenant que j'ai cette psy-énergie, je m'en vais la donner à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas trop de psy-énergie. Bah, Lina, tiens. Voilà, l'équiper. Relié est appris, je vais donc la mettre de suite en raccourci et je vais de suite capturer le djinn de Mercure. Si je me souviens bien, il devait pas être très très loin, à deux ou trois salles du boss, ouais. Bon, évidemment, ce petit problème sera réglé. Je crois que je pourrais utiliser fuir. Voilà. Problème réglé. Voilà, juste il a relié. Et un jean de Mercure. Alors, est-ce que je vais le combattre ou pas? Dans le doute, on va le mettre en attente. C'est un combat, ouais. Donc, hop. Gaz et rayon. Bizarrement, Mercure, qui est la tribu de l'eau, n'aime pas trop le feu. Ah oui, alors, les djinns qui fuient, je déteste. J'ai beaucoup de chance que ça ne marche pas. Quand un djinn fuit, en fait, vous devez sortir de la zone où vous êtes et revenir. Lorsque vous êtes dans la carte du monde, sur la world map, je me sens qu'en fait, il se casse et revient avec ses points de vie initiales. Voilà.
Voilà, trouble la vision de l'ennemi. Si je le lis, je gagne pas mal de trucs. Garde, profiter, bon. Je vais donner à Lina. Cavalier. Ah ouais, mais non, je perds tourbillon. Ouais, non, on va donner à Lina. Je vais pas lier du coup. Et je vais fuir. Voilà qui est fait. Donc oui, d'accord. En fait, je fuis là, c'est bête. C'est bête, c'est tout. Et nous aussi en possession de la première psy-énergie du jeu reliée. Donc là, vous voyez, hop, je peux revenir là pour autre chose. Je sors, tout le monde m'acclame. Porte, ouvre-toi, voilà. Ça mérite une sauvegarde. Ensuite, alors qu'est-ce que je vais faire? Soit je m'arrête, soit j'arrête l'épisode ici, soit je fais une ellipse et je reviens à la caverne où il fallait utiliser relier. Je pense que je vais faire, je pense que j'ai raté l'épisode là parce que il a déjà duré un peu, ouais, il a presque duré une demi-heure là. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Golden Sun 2 jusqu'au bout. Mettez un pouce vert pour soutenir ce let's play si vous l'aimez. Commentez dans la vidéo si vous avez des techniques, des conseils pour certains boss, des monstres ou des djinns que je peux avoir, si vous savez où ils sont. De vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos. De me suivre sur Twitter @reus1. Bon jeu. Et à la prochaine !